Messieurs, dames, est-ce que vous êtes chaud ce soir? Toujours la même intro, mais on kiffe! Messieurs, est-ce qu'on va jouer à Animal Crossing? Oui! J'ai une réclamation à faire. Ah oui, je sais ce que c'est ta réclamation. J'ai eu une habitante sur mes îles qui fêtait son anniversaire le 25 du coup. C'est validé pour l'anime, hein? Oui, c'est validé, oui, c'est validé. Oui, je sais pas combien t'as de points, faudrait qu'il y ait un récap des points, les modérateurs. 4 points, Mastu 1 point, Linka moins 3 points. Ouah, t'as 7 points d'écart avec Arnaud Thomas, c'est n'importe quoi. Moi, je suis mort dans le film, j'ai perdu 200 balles et c'est fait. Les gars, c'est une triste journée. Thomas est très très chaud et en plus je me suis rendu compte d'un truc. Le live précédent j'ai vraiment fait de la merde. Je vous explique, on a fait les îles mystères et je n'ai absolument pas pensé au fait que pour avoir la mairie il fallait que je récupère des habitants sur mon île. Du coup je n'ai qu'un habitant, en fait il fallait en récupérer 3. Donc même pour la mairie c'est mort, par contre je crois que Thomas et Arnaud l'ont fait. Donc j'ai vraiment du retard. Et nous l'objectif c'est clairement d'essayer d'avoir Rosie aujourd'hui hein. Bon les gars, je pense que toute la thune qu'on a mis de côté avec les arbres à clochette et tout ça, on va tout récupérer. Les fossiles on va aller les faire expertiser et les revendre. Et avec tout l'argent on va essayer de placer des meubles trop stylés qui vont valoir des points pour la JD. Moi ça me semble être une bonne chose. On peut essayer de gagner là-dessus. Ah oui, c'est vrai que les arbres ils mettent 3 jours à pousser. Donc on pourra faire que demain l'arbre à clochette. Je crois que c'était celui-ci. Par contre, on peut refaire le rocher. Oh, c'est lui. Allez, let's go. Faut que j'ai tout. Allez. Le dernier. Let's go. Bon, on se met archi bien. Donc les fossiles, on les a pas mis en ligne de. Piqué par une abeille. Non, c'est pas vrai, Arnaud. Non mais tu fais exprès, c'est pas possible. C'était l'arbre à côté de chez moi, donc je me suis dit bah autant rentrer chez moi quoi. J'ai cliqué sur ma porte, ça a mis un coup de... Un coup de filet. Un coup de filet. Tu sais que tu peux attraper les abeilles hein, avec ton filet. Ouais je sais, j'en ai déjà attrapé mais là bah écoute... Oh putain de jeu de merde. Ça va être compliqué pour toi Arnaud. Arnaud il est au fond du trou, c'est terminé pour lui, à moins qu'il chope Rosie je vois... Non l'escargot, il faut que je le chope, c'est trop important. Ok, on passe en mode full chasse aux insectes. D'ailleurs, comme il y a un concours de pêche à la fin, je vais choper des palourdes. Parce qu'avec ça on peut créer des appâts, ça va servir. La technique ça sera de se mettre ici à une embouchure, on essaiera de choper pendant le concours de pêche à un esturgeon, ça va être le meilleur moyen pour gagner des points. Non, il y a vraiment un escargot. Faut que j'aille doucement. Et top, l'escargot directement dans le gosier. Parfait. Il y a trop de choses à faire, c'est trop dur. Ce speedrun est compliqué. Je vais aller préparer un max d'appât avec mes pelles. Et dès que je vois un gros poisson, je pêche. Voilà, ça me semble être bien comme programme. J'ai encore ma chance contre Thomas. Hein. Petite chance, mais j'ai encore ma chance. Lui, c'est un gros poisson. C'est un bar commun ou un gros poisson. Allez, faut pas que je te choque. Je stresse. C'est un bar commun. Vas-y, je sème sa merde. Casse les couilles. Oh non, j'y ai cru jusqu'au bout là. Ah, attends, ça m'avait pas manqué de pêcher des bars communs. Toi, si t'es pas assez lacante, hé! Je l'ai mis sous le nez. Non. Non! Viens voir toi. Genre mort à l'hameçon et soit un poisson que j'ai pas mis dans le musée par exemple. Ça serait grave cool. Et là, la canne à pêche va se détruire, on va retourner. Oh, je l'avais pas lui, je crois. Il me semble que je l'ai pas donné à Thibaut. Putain, la canne à pêche elle est résistante là. Il est compliqué à trouver le sélacanthe quand même. Moi j'aimerais bien qu'il spawn beaucoup plus facilement. Hop, les toi, j'ai un bon feeling. Toi mon sélacanthe. Vous allez me dire, mignon, il a la taille d'un bar commun. Si jamais vous avez pensé ça, vous avez fortement raison parce que putain, c'est le troisième. Ça est en train de me faire chier là. Ok, plus de canne à pêche, on va rentrer. Retour au bercail, puis-je t'aider? Oh, si tu pouvais trouver un sélacanthe à ma place pour remplir le musée, ça serait grave cool. On ne voit jamais pêcher mon ref et ça serait cool que tu te bouges le cul un moment. On est d'accord, au concours de pêche, y a pas le droit aux appâts? Bah si. Y'a le droit aux appâts? Moi j'aurais fait sans appâts mais Est-ce que je me dis avec appâts ça... Ah ouais ouais, bah, c'est non cool. Je me dis que c'est sans appâts, ça joue vraiment à la chance, en mode c'est faire fuir les poissons et essayer de faire venir les gros tu vois. Avec appâts juste on les lance à la suite et là y'a moyen d'avoir des gros poissons. Après si c'est que 15 minutes on va vite tourner en rond, alors qu'avec des appâts en 15 minutes déjà c'est chaud d'avoir un poisson rare. Moi j'aurais fait sans vraiment. Enfin pour moi concours de pêche c'est sans appâts. Ouais bah on peut faire sans appâts hein, ça me dérange pas tu sais. T'en avais pas préparé de toute façon. Non bah n'importe quoi imagine. C'est trop cool de rajouter des règles en tout cas au cours comme ça genre. Non, c'est pas rajouté, c'est juste on a pas déterminé ce que c'était les règles pour le coup. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est pas grave, hein. Non, mais en vrai, les palourdes, je les avais fait de base, c'était pour les maïsdouks. C'était pas pour espérer gagner le concours de pêche, quoi. J'ai pas besoin des palourdes hein, pour gagner des surgeons, des. Vous voyez bien depuis tout à l'heure, de toute façon, le nombre de poissons rares qu'on a pêché. Là, si on avait fait le concours, bah j'aurais donné un bar commun. Après, c'est des bars bien, hein. Des fois que je pêche. Mais faut voir le bon côté des choses, c'est que là du coup je peux me servir de mes appâts pour pêcher des poissons tarlés fous, genre le sélacanthe peut-être. Il se cache bien mine de rien. Il est gros lui, non c'est un bar commun. C'est un bar commun 100%. Ouais c'est encore plus gros que ça, je le pêche quand même, j'ai peur de passer à côté d'un truc. Ouais c'est un bar commun. Putain. J'ai l'impression que c'était plus commun de pêcher à l'époque, non? Putain, il y a déjà plus beaucoup. Ça c'est un bar. Mais putain, mais je sais pas. Ah, je le pêche quand même, mais c'est un bar 100%. Ça coûte rien d'essayer en vrai, non? Ah, c'est un bar, c'est sûr, c'est un bar. Je crois que je vais quand même le tenter. Eh, nique sa mère. Eh, écoute-moi bien, là, la taille d'un bar, c'est juste parce que c'est un petit sélacanthe, c'est tout. T'as compris? On n'est pas encore formé à 100%, c'est tout. Tu vois? Ça, le chien, dégage demain, j'en ai plein le cul de te voir. Ouais, je disais. Non, c'est trop, là. J'ai pas de chance. Je ne peux rien tirer de cette merde. On est d'accord? Oh là là. Mon cœur danse la macarena là, je vous le dis. Ça change rien à la taille. Ma meuf me dit la même chose, ouais. Elle me dit t'inquiète pas, ça change pas grand chose. Là, le fait de récolter des palourdes, regardez bien combien de points ça va me donner. 500 points. Là, on peut faire deux îles mystères. On les fera à la fin, juste avant le concours de pêche. Lui, il est gros. Non, lui, il est gros. Ça va être un bar. C'est honteux. C'est honteux, il y a trop de bars communs. En plus, j'ai plus de... Allez, mes poches sont pleines.
et ne reviens plus. Préviens tes potes. En tout cas, si je pêche un sélacanthe pendant le concours de pêche, j'ai gagné théoriquement parce que c'est il vaut 15 000 points. Je vais prendre tous les poissons, c'est décidé. De toute façon, faut que je pêche. On sait jamais. Non. Oh putain, c'était un bar, tranquille, c'était un bar. C'était un bar. Oh, c'est sûr. OK, là c'est sûr, c'est un gros. On est d'accord. Il est plus gros que tous. Oh, faut pas que je choque. C'est un truc. Let's go. C'est un thon. Yes. Oh, je suis trop enflé, let's go. Ah, je me sens revivre. Je les pêche tous. Faut que j'ai un poisson clown. Faut que je pêche la meuf de la poste. Ça va être dur le concours de pêche, je suis en train de tilter là. Sans appât, va falloir faire exactement ce que je fais, mais c'est sur 15 minutes. Donc Oh là là. Mon cœur dans la macarena, je l'ai vu. Ce n'est pas un bar, messieurs dames. Ah, peut-être que si, non. Je sais pas en fait, je me suis peut-être enflammé pour rien. Oh non, c'est un bar. Putain, il était gros quand même. Attends, c'est gros en fait des bars communs. Les gars, j'ai envie de tenter les abeilles maintenant que vous en avez parlé. Mais peut-être que quand il pleut, y a pas d'abeilles, non. J'ai envie de tenter. Je me sens obligé de tenter. Je tente. Tant pis. C'est mon goût du risque. Putain. Let's go! Let's go! Oh, je suis refait. J'ai eu trop peur. C'était facile en fait. Je peux le faire plein de fois. Je les ai spawn kill. Je vais direct les déposer. Il faut qu'elle me pique dans l'inventaire. Oh, j'avais jamais déposé de bar. Ni de perche jaune, mais c'est là, je régale tout le peuple ou quoi. Je vais te choper ici. Oh, il est un peu gros lui, non? T'as encore un bar, hein. Je me fais avoir. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est la corde, par pitié! Oh, c'est cool quand même. Let's go, allez, vas-y, let's go. Ah, j'aurais préféré avoir le sélacanthe, je suis deg. En vrai, c'est cool. On va aller revendre tout ce dont on n'a pas besoin. On achète des outils et on part sur les îles. Là, on rappelle qu'à tout moment, je peux croiser Rosie sur une île. Ça serait vraiment incroyable. J'y crois pas. Une chance sur 400. Et l'exploit avait été réalisé il y a 2 ans. Elle était apparue dans ma toile de, dans ma tente, dans le camping là. Elle était apparue. Vraiment, c'était improbable. Allez, on se taille. Les gars, que la chance soit avec nous. Peut-être Rosie, peut-être pas. Il y a pas d'habitants. J'ai peur. Oh non, je crois qu'il y a pas d'habitants à cause de Tom Nook. C'est un perso dedans, non? Attends, elle est dedans, je crois, non? J'ai un doute. Non, elle est pas dedans. J'ai confondu avec les couleurs des personnages. Enchanté, je suis Capri. Vas-y, viens. Oh, t'es un titan, toi. Y'a rien sur cette île, elle pue. Ça me fait mal de l'admettre, mais t'as raison. On se casse. C'est encore un bar en plus. C'est la goutte de trop. Je suis parti d'une île où il pleut pour aller sur une île qui pue la merde. Avec les mêmes poissons, on moins bien. T'es la seule chose qui me reste, en fait, pour remonter. Il me faut un personnage à 3 points, un truc. Il faut un truc. Je sais pas comment faire pour. Parce que Rosie, elle m'a dit bientôt et tout quand on est parti. Elle a dû me laisser un indice, un truc pour que je la retrouve sur une île mystère, je pense. Elle est où, là, la Rose? Ouais, bien déçu. Carp Koi et j'arrête. Oh oui, let's go. Putain, on peut repartir, l'esprit tranquille. Attendez, il y a une migale. Elle est où? Je la vois plus. Oh non, elle est derrière un arbre. Si je m'approche d'elle, elle me fume ou pas? Elle se lève, je m'arrête. Et après je m'approche. C'est ça, c'est un 2-3 soleil, je me souviens. Me pique pas, tout doux. Tout doux va bene. C'est bon, c'est dans la poche. En vrai, si je l'ai pas, je suis une énorme queue. Encore un petit peu. Let's go. Ok, c'est bon, j'aime bien ce qui se passe. Et les gars, on a ramassé plein d'espèces là pour Thibaut quand même. Hein. Oui, y'en a plein. Je prends le dernier ticket, il me reste 300 maïs nook. Je vais y aller au feeling. Avec Rosie, je me suis jamais trop posé de questions et ça a toujours coulé comme si c'était. Comme si on se connaissait depuis des années quoi. Il faut pas réfléchir, faut y aller. Je veux Rosie! Mais moi je veux faire l'amour! Je suis stressé. C'est mon dernier ticket. Allez, un personnage qui vaut 3 points, par pitié. S'il te plaît, Maurice, on veut Rosie! Allez, s'il te plaît. J'ai trop peur. Allez! C'est une chance sur 400, c'est rien, on a fait pire! Ici c'est une île, il y a des poissons. Mais je connais, il y a des cerises aussi. Il y a un peu de fleurs et tout ça. J'ai mal à la gorge d'un coup. Oh, c'est quoi ce truc là? J'ai jamais eu par contre. L'île n'aura pas servi à rien les gars, on a récupéré un catacancus. Ça va aller grave les 2000 maïs nook, tiens. Le fossile il va faire la diff les gars, vous inquiétez pas. Ah les gars, j'ai un goût amer dans la bouche, on dirait j'ai le seum genre. Tu sais? Toi tu veux pas te dégager de là? Tu pues là du cul! Ah les gars, j'aurais tout donné mais vraiment la chance n'est pas de notre côté malheureusement. Il est temps de rentrer hein. Ouais, Rosie elle a pas entendu mon appel, je sais pas, peut-être elle se fait désirer, elle va arriver demain, je sais, j'en ai aucune idée. Mais si on devrait pas trop tarder à se pencher sur l'event de pêche. C'est vrai ça. Venez, on met les règles au point maintenant, on est d'accord que du coup on part sur celui qui pêche le poisson le plus cher gagne 2 points. Oui. On dit dès qu'on a un gros poisson. Le premier qu'a chopé, ouais, c'est bien le premier. Vas-y, c'est bien, je pense. 15 minutes. C'est quand vous voulez. Prêt, ouais. 2, go. Ok, bah bonne chance. Il faut des poissons, tard les fous, c'est parti. Je vais au ponton, je suis obligé. Enfin, pas vraiment, mais au ponton, il y a plus de chance, je pense. Oh, il est gros. Allez. Sois mon sélacanthe. Je vois rien du tout ce que je fais en fait, c'est un peu chiant. J'aime pas pêcher en bas, vers le bas. Va vers la gauche, s'il te plaît. Ça serait grave cool que tu mordes vite à l'hameçon, tu vois ce que je veux dire ou pas? Arrête! Chill, les gars, chill. Oh putain de merde! C'est trop! J'ai jamais choqué comme ça! Let's go! Poisson vivant! T'as eu quoi? Non, c'est le truc le plus cher, non? J'en ai jamais croisé de toute ma game, j'ai cherché toute ma vie, j'ai tombé dessus là! Mais what the fuck? C'est trop Thomas et sa chance. Il faut que je charbonne. Ça va être compliqué hein. Mais c'est pas imbattable hein. C'est pas imbattable. Là en gros, pour que je puisse battre Thomas, il faut que je pêche un esturgeon, un marlin ou un sélacanthe. Je n'ai pas d'autre choix, genre. C'est ça ou rien. Donc soit le poisson qu'on farme depuis le début. Oh! Esturgeon, si c'en est un, s'il te plaît, 1%, je te choque pas. Esturgeon! Esturgeon aussi à l'instant, je jure. Ah, c'est vrai? Devant lui! Yes! Oh non! Oh non! Yes! Attends, je l'ai eu devant toi à une seconde près? Ouais.
Relativement, je suis à moins 4 points. Non, c'est ok, t'inquiète. Je suis même pas dans ton rétro, mon ref, qu'est-ce qui se passe? Mais justement, Arnaud, autant me laisser gagner pour que je puisse faire perdre Thomas. Ah, non, désolé. Hein. Si je pêche un deuxième poisson rare du même prix de l'esturgeon, est-ce que je passe devant. Mais de même prix, genre? Oui, en vrai, oui. Vas-y, c'est vas-y. Plus légit, non? Ouais, je pense, vas-y, ok. NON! Mais j'ai pêché un peu, ta mère! Oui, oh, il a perdu un point, let's go! J'ai envie de pleurer. Oh putain, mais c'est quoi cette chatte de merde? Mais je peux me refaire de quoi? Si je pêche deux esturgeons, j'ai un point en gros. On vient avec de dire que tu viens de tomber à zéro point. C'est abusé, ce jeu de fils de pute. Oh, wow, bah les mots. Je vais piocher un deuxième esturgeon, j'ai pas envie de perdre un point là-dessus. Vas-y, j'ai trop le seum. La probabilité que je pêche un putain de pneu pendant un concours de pêche. S'il te plaît, là, c'est la cante. Il pleut! T'as 2% de chance. Ça, c'est un gros poisson, c'est un cellophane là. C'est gros. S'il te plaît, un célac. Oui! C'est bon, les gars, j'ai un célac. Wow. Ça coûte combien? 15 000. Un célacante, sincèrement, là? Ouais. Je me rappelle même plus comment c'est. Putain, le karma, il tourne. Seulement quand il pleut, genre. Eh oui, il pleut sur mon île. Ah, le bâtard. Ça va être dommage pour le musée des refs. Bisous. On peut pas battre, on peut arrêter. C'est le plus cher du jeu. Oh putain, le karma, il a tourné. Et en vrai, je vais gagner qu'un point vu que j'ai pêché un pneu. Donc bon, bah, ça va. Ça reste un point. Oui, ouais. Oh, je suis dépité. Putain, il a le célacante. Purée de pommes de terre. Oui, là, j'aurais pas dit mieux que purée de pommes de terre. Ah, GG, les gars. Non, bah, GG. Bah, merci beaucoup. Ouais, demain, c'est leur finale à tous les deux. Mais non, mais toi aussi, tu seras là demain. Les gars, moi, je vais couper mon live. Ok. Tu seras là demain. Merci, les gars, d'avoir suivi le live. À tous. T'as l'air pas très à l'aise pour faire des... Et je serai là demain, je serai là juste pour vous battre à la JD, voilà. Ah. Bon, le pneu il est vraiment mal tombé. Mais, on n'a pas lâché, on a fini par avoir le célacante et le... je sais plus comment il s'appelle là, le cellophane. Donc on a peut-être notre chance. Oh, on a encore pas mal de points, il y a pas mal de choses qui peuvent se jouer demain. Si jamais vous avez pas vu la dernière vidéo, vous pouvez aller voir aussi. Bah, je vous dis à demain, je vous fais plein de bisous.